Bonjour à tous, ici le Goomba 80, on se retrouve sur le jeu Warhammer 40 000 Space Marine sur PlayStation 3 dans le mode multijoueur, alors dans le mode multijoueur, dans le mode annihilation qui est là, des modes de jeu et ça commence bien, putain ça fumier qui est là des modes de jeu qu'on peut retrouver en multi et dont le but du jeu on est à deux équipes donc on peut aller on peut être jusqu'à 8 joueurs par équipe et là le but dans le mode annihilation c'est de buter c'est le premier qui a atteint 41 victimes qui a gagné. Et là, en perso, j'ai pris un rapace. Pourquoi? Tout simplement, comme vous avez pu le voir, il a un jetpack. Alors toi là-bas, tu m'as pas vu. Et tchat, dans ta face, saleté, et voilà. Et je me suis fait avoir juste par derrière. Et bon, le mec, là, il était niveau 39. Donc niveau 39, parce qu'en fait... on a des niveaux, hein, chaque bonne prestation, etc. On gagne de l'expérience à chaque fin de partie en multi. Donc moi, il n'y a pas longtemps là, que j'ai le jeu. Alors, je suis pas trop. Mon niveau est pas trop élevé. Ta face. Et oui, il ne pouvait plus bouger. Parce qu'en fait, c'est plus la bolter lourd, je sais plus, c'est un gun, et tellement qu'il est lourd, quand on l'utilise, hein, quand on se met dans une certaine, on peut appuyer, quand on appuie sur R2, on se met dans une certaine position, mais les pieds dans le sol, je sais pas trop quoi, et en fait, on peut plus bouger, hein, tellement que le fusil il est lourd, alors on dégaine à mort, et voilà, buté. Donc après le mec il est un peu pris au piège mais bon c'est un fusil très très puissant. Généralement quand on n'arrête pas le gars-là, il nous tire bien dans notre face, on le sent passer. Oula, c'est tout blanc, une explosion. Coupe en rondelle même petit, et voilà. Et voilà, il m'a buté. Tout de suite hop, on appuie sur la croix et on est back. Donc en bas à gauche vous pouvez voir comment dire, c'est écrit, il y a deux, une barre jaune, une barre rouge. Alors moi je suis la barre jaune, comme mon petit logo là il est en jaune, donc je suis la barre jaune. Encore déglingué. Et en fait c'est la barre qui indique le nombre de d'ennemis tués par équipe, donc moi mon équipe est à 21, l'équipe rouge à 21 maintenant, et c'est la première arrivée à 41 qui a gagné. Et ensuite il y a un petit temps, mais je sais pas si vous allez petit chrono, je sais pas si vous le verrez dans la capture. Et en bas à droite il y a mon nombre de grenades qui est indiqué et munitions. Ah, et encore buté. Ça commence bien, mais bon, les gars, allez, pareil, niveau 6, donc les gars, quand même, qui sont plus avantagés avec leur niveau, apparemment, parce que tout à l'heure, le sondage me fait buter par des gars bien plus forts. Allez, bute-le! Et voilà, encore buté, donc désolé pour ma médiocre prestation, hein. Bon, je débute, hein. Alors bien sûr, il y a encore les gros gogoles, on va dire, qui vont bien rigoler, mais bon, on s'en fout. Moi, si je joue aussi pour le fun. Hein. Et voilà! Racu, hein! Et voilà, encore buté. Bon, il y en a un aussi qui avait un gun.
Oula, c'est tout blanc, encore une grenade ou je sais pas quoi là. Hop. On essaie de se barrer de là. Hop. Comme on ne voit plus rien. Il y a un jetpack là aussi là. Et vol, 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 vol. Je suis presque mort. Donc après il y a ma barre de vie en haut au milieu. Allez où le fumier? Voilà, il m'a eu. Là déjà, 38 pour les rouges, je sens que ça va être la défaite. Toujours pour les rouges. Voilà, bon. Essayer d'aller me le faire. Je vais essayer. Et voilà, défaite. Bon, trop tard. Voilà, ça commence bien. Alors, ouais, bah, j'ai fait une prestation pitoyable. Hein. 9 morts et 4 frags. Il me reste autant, hein, 44 secondes. C'est minable. Donc, on va se refaire une petite partie. Multi. Donc par contre là je vais couper quelques instants parce que je vois c'est comme vous pouvez voir en bas 50 secondes d'attente. À toutes. Donc voilà, on est back. Alors je vais reprendre le rapace. Allez, c'est parti. Alors nouvelle map. Des maps toujours assez grandes je trouve. Alors, où est-ce qu'il y a du people? On entend que ça dégaine dans tous les sens, là. Hop, on va prendre un peu de hauteur. Se barrer. Oula, je suis retombé. Et voilà, je me fais buter. Un peu vite hein, quand on se fait buter malheureusement quand on vole et compagnie plutôt. Je voulais dire ah oui les conneries c'est le bordel hein. Alors donc, je peux remarquer qu'il y a des petits traits sur la capture mais vous inquiétez pas hein. C'est normal là. C'est ma capture qui fait ça de temps en temps hein. Je vais pas faire 50 montages hein, pour couper. Alors, piti piti. Donc, par contre, ce qui est dommage, il y a une absence de plan. Allez, on balance une grenade avec L2. Bon, est-ce qu'ils sont. Hop. Il n'y a rien par là. Et voilà, je t'ai coupé à rendere. Ça c'est fait. Pour lui, la marteau, à mon avis, je vais me faire déglinguer la gueule. Et voilà, dead. Died, voilà, c'est parti. Allez hop, on continue, on est dans les chauds. Le bordel là, comme vous pouvez le voir, ok, c'est un gros jeu de bourrin. Pardon. Je vais encore faire fumer la gueule. Et voilà. Et on n'y voit plus rien. Ça commence à me chauffer là, celui-là qui s'envole là.
Voilà, grenade. Caméra de bras là. Il y en a un là. Oh, ça c'est con, hein. Oh, ça c'est con. Et voilà, je me suis fait buter, mais bon, j'en ai eu un autre, donc c'est ça qui est cool, hein. J'ai pas, et je bling, on se termine par derrière, on le coupe par derrière. Ça fait exactement comme dans Halo Reach. Bon, sauf que dans Halo Reach, hein, je prends plus la combinaison qui nous rend invisible quelques minutes. Barré, oui. Ah là 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 là, il avait le blaster, bah allez hop, hein. Allez, pour l'instant, bah, je me fais quand éclater, hein, je perds 29 à 17. Donc des grandes maps, des beaux décors, je trouve, hein, moi perso. Moi j'adore. Ouais. Ah, je sens que c'est la fin, ça sent pâté, envole-toi, et voilà. Comme je vous disais, hein, c'est un bon jeu de bourrin pour tous ceux qui aiment les jeux en défoule et compagnie. Bah, vraiment, je vous recommande ce jeu. Il est vraiment super. Buter des orques à donf ou mille combos. C'est bon, c'est finiqué. Bah, je t'ai eu, mon coco. Donc, la barre de vie qui remonte un petit à petit. Donc, je me fais flinguer. Des grenades. Oula, il est revenu le gars en rouge là. Et voilà, buté. Les 34 pour les rouges. Il a mis son cabotin en rose, hein, pas terrible. En violet plutôt. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore regardé pour personnaliser mon bonhomme. Parce que mon cabotin, hein, mon Space Marine, quoi. Parce qu'il faut atteindre le niveau 5, je crois, et je suis niveau 4. Donc, voilà. Et voilà, victoire, donc défaite, hein, pour moi. Des rouges. Ah, t'as buté, toi là. Je suis 20 ennemis en combat rapproché, voilà. On fait buter, voilà. Okay, normalement la partie est finie, alors je ne comprends pas. Ah non, ils sont à 39, à 38, pardon. Je crois qu'ils étaient à 41. Et voilà, défaite, ben, donc de défaite, hein, malheureusement. Donc voilà, ben, je vous remercie à tous. Donc c'est bien, 7 morts, 4 frags, encore une prestation pitoyable. Hein, désolé, c'est que le début, hein. C'est que le début. Mais bon, c'est pas grave, hein, moi je suis là pour m'éclater, hein, pour me défouler à mon cou et couper à render, ces enfoirés. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le jeu Warhammer 40 000 Space Marine sur PlayStation 3 dans le mode multijoueur Annihilation. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo en multi sur l'autre mode, sur d'autres modes, et puis voilà quoi, j'ai bien voir. Donc n'hésitez pas à lâcher des coms, big up à tous mes abonnés, et voilà quoi. Bye pour de nouvelles vidéos.